Il y a des humoristes qui sont drôles sur scène, mais qui sont plates dans la vie. Lui, il est drôle partout, tout le temps. C'est un de mes amis. Je suis tellement fier de le présenter. J'ai fait de la télé avec lui. J'ai fait de la radio avec lui. C'est un de mes humoristes préférés au monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous jure, vous allez découvrir un artiste de talent ce soir. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez être contents de le voir. Mesdames, messieurs, mon ami Dominique Paquet! Bonsoir, ça va bien, ouais! Ah, God! Je suis content d'être ici. En fait, la raison pourquoi je suis ici, mesdames et messieurs, c'est parce que je veux vous parler du magasin IKEA. J'étais curieux d'entendre le monde parler en mal du magasin IKEA. En fait, ça fait des années que le monde parle en mal du magasin IKEA. Les humoristes en parlent en mal, sauf qu'à chaque fois que j'y vais, le stationnement, il est toujours plein. Puis je sais pourquoi il est toujours plein. C'est à cause des femmes! À ce prix que vous capotez sur le magasin IKEA, c'est quoi votre problème? Tu rentres dans le stationnement du magasin IKEA, il y a plein de chars, les gars ils chauffent tout croche, puis je sais pourquoi que les gars ils chauffent tout croche. Parce qu'ils regardent leur femme, ils sont comme, T'es-tu correct? Oui! J'ai vu le logo IKEA! Évidemment, quand tu te fais couper, il n'y a jamais de char de police, surtout pas l'été. Je sais pourquoi il n'y a pas de char de police l'été maintenant. Je sais pas s'il y en a qui ont marqué. Au Québec, maintenant, on est rendu l'été avec la police qui se promène à cheval puis à bicyclette. À bicyclette! Puis pas des Bermudas! Rouler par-dessus les genoux! Moi, de péter à la gueule, man! Qu'est-ce que c'est ça? Kikling, police! Kikling, police! C'est quoi la prochaine étape? En gogo avec un cocktail dans les mains? Police, s'il vous plaît! Police, hein! Puis l'hiver, ça va être quoi, en crazy carpet? Police! Fuck! Ça aurait pris une plus grosse pente. On s'entend-tu qu'il t'a pogné personne, ces policiers-là, là? Il peut arriver à la fin du mois, là, t'as le chef de police qui est là, qui fait comme... Ouais, Roger, je regarde ton dossier, cette-là, là. T'as pas pogné personne dans le dernier mois, qu'est-ce qui se passe? Écoute, boss, je sais pas. Tu sais, d'après moi, une des raisons, ça doit être parce que je roule la bicyclette! Chris! Kikling! Ouais, mais je vois ici, t'es en poursuite de voleur, là. T'as pas appelé du renfort? Ben oui, qu'est-ce qui est arrivé? Son cheval est en train de chier! Là, tu rentres dans le magasin IKEA, là, il y a plein de coupes. Il y a plein de coupes. Avec des femmes qui sont comme on va peut-être redécorer la maison. On achète plein de choses. Les hommes sont à côté, ils sont comme calique. Encore manqué mon golf, moi. On veut pas y aller, les gars, au magasin IKEA. C'est pas une place qu'on va aller entre gars, là. Aller au magasin IKEA entre gars, c'est comme si moi j'étais à la maison un samedi après-midi, j'appelle un de mes chums, il arrive, puis hey man, tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux faire? Ben c'est ça, même j'avais pensé peut-être on prend l'eau aux pommes. Aux pommes. Ben, aux pommes, là, que... Ben, qu'il y a des pommes ensemble, là. Ouais, des femmes, quelque chose, hein? Ben, oh, man, sans gars aux pommes. On va aller aux pommes en gars. Qu'il y a des pommes. Ça fait tard, là. Ouais, qu'il y a des pommes, là. On veut pas y aller, les gars, au magasin IKEA. Le pire, c'est qu'on peut pas y aller, puis en plus, une fois qu'on est là, on peut même pas aller où qu'on veut, parce qu'ils mettent des flèches à terre pour dire dans quelle direction aller. Je suis seul qui se sent mal quand il marche à l'inverse des flèches. J'ai l'impression de briser la loi. Tu sais, hey, bébé, ça pas long, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait là-bas, m'en aller chercher. Oh non! Il y a des flèches! Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que le monde me juge quand je marche à l'inverse des flèches. J'ai l'impression que le monde me regarde, font comme... Rapace. Même moi, je juge le monde qui marche à l'inverse des flèches. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux ça? Les flèches, ils vont par là. Si tu veux ça, tu fais le tour, tu sors dehors, tu rentres en dedans, puis tu le pognes!
pas le droit de marcher à l'inverse des flèches, mais t'as le droit de rentrer dans le magasin, par exemple, avec un chien dans ta sacoche. Tu sais, les petits Christy de chien Paris Hilton d'une sacoche, c'est quoi ce mode-là? T'as un petit chien qui a une tête qui dépasse. Et... Chaque fois que je vois ces chiens-là, j'ai toujours l'impression que le chien est en train de se dire... Comment ça, je marche plus, moi, Chris? T'es au pet shop, je marchais dans ma cage. Fais la machette, puis je marche plus, Chris. Pas on va faire caca dans sa sacoche. Il n'y en a pas vraiment de mode de même pour gars. J'ai essayé d'en partir une l'autre jour, on s'est acheté un sac de hockey avec un Danois dedans. La face que le chien Paris Hilton fait dans sa sacoche, je trouve qu'il a l'air de se poser les mêmes questions un peu qu'un hamster qui court dans sa roue. Tu sais, un hamster qui court dans sa roue, il est comme... Ça, je vais passer par ici, moi. C'est plate au magasin Ikea en plus. Moi, j'essaie de trouver des passants. Des fois, ce que je fais, moi, j'aime, ce que j'aime faire quand je suis au magasin Ikea puis je m'emmerde, j'aime ça regarder autour, le monde, tu sais, le monde autour, puis les juger un peu.